C'est Monsieur Itotsuki, on se retrouve pour la troisième partie de Metal Gear Solid 3. Juste après, donc on va dire le mini-boss, donc la petite armée d'Ocelot, donc assez simple. Donc là on se dirige, donc on doit rejoindre le laboratoire. Alors on va vite se dépêcher. Alors ici je vais faire très attention. On va éviter de me faire bouffer par un crocodile. Par contre, petite particularité quand vous êtes dans l'eau. Voilà, une petite sensu qui est toujours agrippée à vous, ça c'est un peu chiant. Hop, voilà. Oh, le connard était bien caché quand même. Enfin bref, hop. Un petit piège ici. Snake, are you there? Eva? Did you miss me? Did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulgan? In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traitors have a lot in common. Why would anyone want a defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment. And by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Donc, on reprend notre truc. Alors, hop, le piège a été évité. Ah oui. En gros ici en fait les trucs sont électrisés. Faut tout simplement. Hop là. Oh, vous êtes même pas obligé de vous passer en dessous du moment où vous faites pas électrocuter. Il y a aussi des mines. Donc faire très attention aux mines. Voilà, il y en a une.
Il aussi. Là. Ouais, j'ai pas essayé d'éviter celle-là. Oula. Et on va déjà essayer de se camoufler. Donc très important dans le jeu, c'est le camouflage. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Oh, il est toutou. Faut faire attention au toutou quand même. Ils ont l'air coriace. Alors est-ce qu'il y en a un là aussi? Ouais. Ils savent pas camper. Hop. Oh j'allais tomber dans le piège. Oh putain. Un autre là. Et lui. Hop. On passe par là après. Si on fait attention, on se fait jamais repérer. Hein. Vraiment, cette fois on n'a pas le radar comme dans tous les Metal Gear. On a un vieux détecteur de mouvement, donc si on peut se faire repérer le moins souvent possible, c'est la meilleure chose à faire. Par exemple ici, bon, on va fouiller un petit peu la base, mais on n'est pas obligé habituellement. Alors, toi viens là. Hop, ça c'est fait. Là, faut juste passer de l'autre côté de la base. Ce qui est assez simple. Hein, ouais. Quoi ? Oh putain, ils m'ont vu.
Attends, je vous montre un peu la pilule de simulation. Hop. Pile de réveil. C'est parfait. J'ai voulu récupérer tout ce que j'avais voulu. Bon, désolé pour les deux alertes. Voilà, on peut partir tranquillement. Oula. Je parle un peu trop vite, moi. Je récupère mon AK-47 et tout ce que je voulais. Après, il y a un petit truc de neige, mais c'est pas très chill. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Twice now you've made me taste bitter defeat. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. Just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. This time I've got 12 shots. Ok, alors ce boss, c'est comme tous les boss, hein, il est banal. Ah merde. Ok. C'est parfait. Bon. Oh, les enculés. Changing a clip. Je prends une plombe pour charger toi. Allez. This reload time is exhilarating.
Hop là. Easy. Damn it. He found us. We'll meet again. Bon, on se retrouve dans une grotte, alors je vois que dalle. Je crois que j'ai une grenade phosphore. On va lâcher la petite grenade phosphore blanche. Ça va faire de la lumière et je pourrais savoir où je suis. Alors, ah ouais, ça fait rien quoi. Je vois que dalle moi. Bah, attendez, je vais essayer d'augmenter la luminosité, mais habituellement elle est au max. Au max, je peux rien faire. Ah bah voilà, c'est bon. Ouais, c'est assez chiant à trouver au début. Bon, je suis pas au bon endroit. Mais je vais quand même me nourrir, pourquoi je commence à avoir faim. Voilà.
Oh, j'en rien là, c'est... Voilà. Putain, je suis perdu là. Oh lol. Mais où je vais quoi? Vraiment, j'aime pas cette scène du jeu, je sais pas du tout où je suis. On va enfin sortir, lol.
Ah putain, pour trouver une sortie dans ce truc, c'est galère. C'est un vrai labyrinthe. Ah bah enfin. Let's get started. Alors, on va s'affronter, on va affronter le boss Z-Pain. Alors, Z-Pain. Je sais même pas ce que ça fait. Bon, ça fait rien. Bon, il y en a des fois. Ça apporte quelque chose. Bon, ça, je sais pas si ça apporte quelque chose. Bref, on va le mettre quand même. J'ai toujours eu l'habitude de le faire. Lui, on va le bouffer. Merc. Hop là. Attack! Ah, je suis avec un aimant là, c'est pas bon. Détruire ces grenades avant qu'ils nous attaquent. Putain, j'arrive pas à le viser. You can taste some real magic.
Is that the best you can do? Take this! Get back up in there! Hop là. Première partie faite. Hop, nique ta mère. Pardon. Ce petit boss donc est terminé, mais par contre vous avez remarqué, il a son costume. Donc on va essayer de le récupérer. Donc déjà on va se guérir. Et on désinfecte. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, je sais pas qu'est-ce que vous voulez. Hop là. On remet notre vieux camouflage. Rire de tigre. Voilà. C'est parfait. Voilà. Hop. C'est parfait. On peut sortir d'ici. Allez. Hop là. Huh.
Ok. Bon, rien de particulier, ça va encore. Hop, on peut passer à la suite. Ça c'est un peu bâtard quand même. Ouais. Traverser toute cette la ponyvage. Ok. Donc, vas-y. Éviter de se faire repérer. Bon. Déjà, un petit silencieux. Ah, ok. Bon, j'ai plus silencieux sur l'autre. Tant pis. Vraiment on fait rapide quoi, sinon on n'a jamais s'en sortir. Oh t'es sérieux? Attends, t'es où là? Non mais... Ah! Mais comment ça je l'ai... Désolé.
c'est casse-couille. Deux secondes, j'aurai juste ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, un bon petit sniper. Je vais vous expliquer son utilité. Ça, en fait, ça va. C'est technique, par contre. Alors, je vais vous expliquer, on va s'équiper du SVD. En fait, en utilisant le SVD directement, okay, on va pouvoir éliminer un boss directement. Et donc, on va gagner peut-être 30 minutes, voire une heure, quoi. Donc, hop, c'est parti. Je vais sauvegarder au cas où si je rate ma tentative. Do you want to save? Oui. Sauvegarder. Vérification de disque. Dépêche. Hop. Non, ça va aller. Petite référence au film. Bon. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Vulcan. Damn you! Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. Three guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready?
like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. CIA dog been disposed of yet? The pain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. I'm leaving him to you, the fear. Is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. Nah. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. Sorrow, is that you? Et là, on va le tuer. Enfin, ça se fait pas, c'est un grand-père, mais... Je suis désolé, grand-père. Il est mort. Voilà, je l'ai tué, enfin. Si on peut dire ça. Du coup, maintenant, ils m'attendent tous. Super, ça. On va devoir être juste patient. Voilà. On va attendre tranquillement qu'ils partent et on pourra passer.
hôpital. C'est la zone suivante. Oh là, il y en avait un de plus, j'ai mal compté. Voilà. C'est super. Donc au niveau de ça, ils sont morts. Donc pour la troisième partie on s'arrêtera là, on se retrouve pour la quatrième partie juste après, à tout à l'heure les gars.